Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous reprend pour une nouvelle vidéo. C'est la préparation de sa fête. Donc, il va faire la petite fête qu'on fait ici au Canada et aux États-Unis pour les enfants quand ils changent d'école. Donc, c'est la graduation. Ils le font même pour les tout petits qui passent de la garderie à la maternelle, de la maternelle à la primaire et de la primaire au collège, ainsi de suite. Donc, vu que lui, c'est fini pour lui la primaire, maintenant il passe au collège. On va lui faire sa petite fête de graduation. Donc, avec ses cousins qui viennent à la maison, ma copine Lily avec ses 5 filles et son chéri. Donc, voilà, on va faire une petite fête, une petite pool party, et en plus de ça, notre neveu, donc son cousin Ryan, va avoir 11 ans dans 10 jours et on sera plus là, donc du coup on a décidé de lui faire un petit anniversaire surprise. Il est pas du tout au courant, il pense qu'il vient juste pour la fête de Noé, et en fait il va avoir et la fête de Noé et son anniversaire. Donc là, hier on a fait 2-3 courses, là on va aller chercher les gâteaux, on va essayer de les faire personnaliser si c'est possible. Il faut qu'on achète les ballons pour l'anniversaire surprise de Ryan, et voilà. C'est parti. Un cadeau. Ouais, un petit cadeau. Je sais pas quoi lui prendre. Moi, je sais. Non, parce que les trucs de Switch d'ici, ça marche pas dans sa Switch d'Europe. Mais ça marche, hein. Oui, si on l'achète 40$ et que ça marche pas. Et j'ai une idée. Quoi? Peut-être des persos Fortnite ou quoi. Oh, ils s'en foutent ça. Non, je pense que. Non, on va lui prendre une carte. Peut-être une carte cadeau spéciale Switch, genre Nintendo. Ah ouais, je sais. Voilà. Une carte un peu de V-Box. Ouais, on verra. Bref, c'est parti. Let's go! Ouais! T'es content? Ouais! Bon, on est allé au Party Expert, magnifique, de toute façon je vous ai filmé à l'intérieur. Quand je vois ça et comme je vois comment je galère quand je fais les anniversaires à tout prendre, j'ai envie de pleurer, j'ai dit à ma copine Lily, j'ai trop envie de pleurer. Du coup, là on va aller au Walmart pour récupérer les gâteaux, je sais pas si je vais pouvoir les faire personnaliser, j'aimerais trop, je vais voir. Parce que j'ai vu que chez IGA ils le faisaient, chez Metro aussi, donc je suppose que Walmart pareil, mais je suis pas sûre. Du coup on va les récupérer parce que le Walmart il est pas loin, il est à 1 km. Attendez, je vais me mettre là, moi je suis partie, j'ai même pas mis le GPS, on dirait que je suis chez moi. Je vais aller récupérer au Walmart les gâteaux, le cadeau pour c'est son... moi qui vais aller. Oh mais il est juste là. Non mais on y va ensemble, oui. On va aller chercher le cadeau. Rejoignez boulevard des promenades puis tournez à gauche. On va lui prendre juste une carte pour la Switch. Attention, est-ce que ça va bouger? Non. On va lui prendre juste une carte pour la Switch. Ensuite, on va récupérer les ballons parce qu'en fait, ils nous ont dit qu'il fait trop chaud. Il fait 26, mais il faut savoir qu'au Canada, le soleil ne tape pas trop. Non, justement, il tape plus.
En fait, ici, la chaleur n'est pas la même. C'est-à-dire que quand il fait 26 ici, il fait très chaud. Alors que chez nous, 26... Après, moi, je suis du sud, donc c'est peut-être que chez vous, à Paris, 26, c'est beaucoup. Chez nous, 26, c'est le début du printemps, limite le début de l'automne aussi. Il fait pas très chaud. À gauche, sur boulevard des promenades. Parce que nous, on a l'habitude d'avoir des 37, 38, 40 l'été. Donc, 26, pour moi, c'est pas chaud du tout. Mais par contre, ici, 26, on le sent qu'il fait chaud. Le ressenti n'est pas le même parce qu'en plus, c'est très humide ici. On ne peut pas prendre les ballons dans la voiture, sinon ils risqueraient d'éclater. Enfin, d'aller faire les courses, les laisser dedans, ils vont éclater. Du coup, on part au Walmart qui est juste derrière. Donc, pour celles qui connaissent, on est à Saint-Bruno, rive sud de Montréal. Du coup, on va récupérer les gâteaux, le cadeau. Quand je vais faire le montage, je vais galérer parce que ça fait que tomber. Noé tient la caméra, du coup. Je disais, du coup, après, on retourne au parti expert. Tournez à gauche. Pour récupérer les ballons. Du coup, je lui ai pris un gros bouquet de ballons, d'autres ballons, deux pour Noé de graduation et deux d'anniversaire individuel. Du coup, voilà, j'ai trop hâte. Il est trop beau le bouquet, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu? Ouais. Il était déjà fini? Ouais. Il est allé vite, il m'a dit 10 minutes, en fait, en 5 minutes, il l'avait fait. Mais bref, du coup, voilà. Mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Il va être trop content, Ryan, puisque bah, il est au Canada. Il vient juste d'arriver. Bon, il va se faire des copains à l'école et tout. Mais pour l'instant. Il est déjà sur Fortnite. Oui, mais Noé. Vous voyez comment il parle tout le temps de Fortnite? Fortnite, c'est pas la vie, Noé. Si. Non, c'est pas la vie. On peut parler avec ses copains. Ouais, mais c'est pas la vie. Les copains de la vraie vie, c'est pas la même chose. Bref, du coup, je disais. Il connaît personne encore ici. Enfin, mes nièces aussi, hein, d'ailleurs, elles connaissent personne. Tournez à droite et entrez dans le parking. Désolée pour le GPS. Du coup, mes nièces, elles vont connaître les filles de ma copine. Donc, elles vont être grave contentes. Et Ryan, il va être du coup avec Noé. Et vu que c'est son anniversaire, comme je vous ai dit, qu'on sera pas là pour son anniversaire. Le parking de votre destination. Attendez, parce que c'est bon. Vu qu'on sera pas là à son anniversaire, là il va être trop content de faire son anniversaire parce qu'en vrai il l'aurait fait que avec mon beau-frère. Il y a ma belle-mère aussi, elle reste. Elle est venue avec nous pour les vacances. Et en fait, il n'y a que nous qui partons. Il n'y a que nous qui avons le seum de partir. Tout le monde part, pas, ils restent tous là. Et nous, on part, on a du travail et tout. Donc voilà. Mais du coup, je pense que ça lui fera plaisir d'avoir une fête avec son cousin, des copines. Enfin voilà, tout le monde sera content. Donc let's go. On est arrivé au Walmart. Walmart de Saint-Bruno. C'est celui où j'avais fait la vidéo de course avec nous. Donc on va faire vite. De toute façon maintenant je le connais. Je suis allée 4 fois je crois. 5. 5 fois on est allé toujours, on est allé là-dedans au marché à pépins. Ouais, mais aussi on est allé au Walmart de Longueuil aussi. Ouais. Mais bref, du coup. Il y a du vent. Je sais même pas si vous allez m'entendre. Là tu vas chercher les gâteaux. Toi tu vas chercher la carte. Non, c'est moi qui vais chercher la carte parce que la carte, je crois qu'il faut mettre le. Je sais pas si c'est à la caisse qu'il faut écrire le montant. Non, c'est juste un truc que. Et tu prends la carte, puis après tu vas à la caisse et tu fais. Ouais. Donc j'ai le truc électrique. Oui, je vais vérifier quand même. Je vais vérifier. Oui, tu vas vérifier. Ouais, ouais. D'abord, tu vas faire les gâteaux. Et moi, je te ramène. Oui. Et je non, parce que tu vas. Ton gâteau, faut que tu le choisisses aussi. Mais je te dis, c'est un chocolat. Ouais. On lui a trouvé ça comme t-shirt, il est trop beau. Et avec le bas qui va avec, on va lui prendre une carte Switch. C'est moi qui choisis. Oui, il attend que ça, on dirait que c'est son cadeau à lui. Voilà. Bon, du coup la carte cadeau ça marchait que pour les comptes du Canada, donc on pouvait pas lui prendre parce qu'il a un truc français, même si maintenant il vit ici, sa Switch elle est française. Du coup on lui a pris ce lot de 3 ballons, voilà, au moins vu qu'il adore le sport il sera content. On a récupéré les ballons, ils sont là, les cousins sont déjà arrivés à la maison. Je sais pas si Maddy a Poucave, parce que Maddy, il faut savoir qu'il faut jamais rien lui dire, il dit tout. Il dit tout. Il raconte tout, donc du coup je sais pas s'il lui a dit qu'il allait avoir son anniversaire surprise, mais voilà, en tout cas là on rentre à la maison, on en a pour 20 minutes, donc let's go. Trop hâte.
Du coup, on se retrouve à la maison pour la partie déco. Alors, bon, je vais pas mettre d'arches de ballon parce que je ne pouvais pas les gonfler. J'avais la flemme d'acheter une gonfleuse, vous vous doutez bien, pour juste des vacances. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une partie aux États-Unis de ma décoration à Dollar Tree exactement. Et l'autre partie, je l'ai prise du coup à Partie Expert. Donc, je vais essayer d'arranger ça du mieux possible et comme je peux pour que ce soit assez joli. Ensuite, je vais sortir les ballons, donc ils nous donnent une grosse poche plastique comme ça pour pouvoir les mettre et qu'ils soient ensemble et qu'ils ne s'éparpillent pas dans toute la voiture. Donc les ballons individuels, ça va, ils n'ont pas éclaté. Par contre, dans le bouquet, je suis dégoûtée, il y en a qui ont éclaté parce que j'avais laissé le toit pas ouvrant, mais en gros, j'avais pas mis la protection. Donc du coup, je pense que le soleil est resté dessus et ça en a éclaté quelques-uns pendant qu'on était en train de conduire. Donc du coup, après, j'ai dû refermer le toit et j'ai essayé de sauver ceux que je pouvais, mais du coup, il n'y avait pas l'énorme bouquet comme j'avais pris de base. J'ai aussi décoré l'extérieur, donc le petit panneau vient de chez Partie Expert et les deux drapeaux viennent de chez Amazon, je les avais commandés en amont et du coup j'ai voulu décorer l'extérieur déjà pour faire la photo de Noé mais surtout pour avoir cet effet waouh et que quand les invités arrivent savent que c'était bien ici que la fête se passait. Ensuite, je vais m'occuper du buffet, donc je vais tout sortir. Je vous avoue que je n'ai rien fait moi-même. Hein. C'est pas comme quand je suis à la maison, que j'ai le temps. En plus, généralement, quand on fait des fêtes, il y a ma belle-mère qui est là, donc elle me garde les enfants et je prépare. Bon, ma belle-mère était là aussi, hein. Elle a gardé les enfants aussi, d'ailleurs, pendant que j'étais en train d'aller faire mes courses. Mais c'est pas pareil, j'étais pas chez moi. Donc là, j'ai tout pris, j'ai tout acheté au magasin. Donc j'ai acheté des fruits, des trempettes. Donc je vous avais déjà expliqué dans ma night routine, c'est les petits légumes qu'on peut tremper dans la sauce ranch. J'ai acheté les cups
cupcakes déjà faits, les muffins, etc. Et en fait, je vais juste me charger de mettre les pop-corn, les chips dans des bols et puis mettre tout sur le petit îlot central pour faire un buffet. Et on n'oublie pas les fameux verres rouges pour les adultes en plus, petite spécificité pour eux, on va pouvoir graver nos prénoms pour ne pas se les échanger. Et du coup voilà ce que ça donne pour le buffet. En plein milieu de la fête, pendant que les enfants étaient dehors à la piscine, d'ailleurs je vous avais tout mis sur mon Instagram et je vous ai laissé en story permanente si jamais vous voulez voir comment s'est passée la petite fête, je vais vous taguer mon Insta juste ici. Donc pendant que tout le monde était à la piscine, j'ai enlevé les boîtes plastiques autour des gâteaux, comme ça c'était déjà fait, et j'en ai profité pour mettre les petites bougies, joyeux anniversaire pour mon neveu directement sur le gâteau. J'ai tout remis au frais parce qu'il faisait très chaud malgré qu'il y avait la clim et on va pouvoir les sortir en temps voulu. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que cette petite organisation vite fait bien fait vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des gâteaux d'anniversaire et des petites étoiles en emoji dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un like comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous. Just try, baby, try, try, try.